Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis Mr. X. Et si vous voulez bien m'accorder un instant, je vais vous expliquer les raisons de tout ce tapage. Je regrette d'avoir à vous apprendre que la Northern Star a disparu des écrans radars. Avec tout le monde à bord. C'est terrible. Mais... le pire, c'est que nous sommes à des milliers de milles de notre dernière position signalée. Il n'y a donc aucune chance de sauvetage et personne peut venir nous aider. Il ne reste plus que vous et moi. Et le petit jeu que nous allons jouer. Un jeu qui va décider comment vous allez quitter ce navire. Chacun d'entre vous va avoir un autre passager comme partenaire. Ses pairs se composeront d'un chasseur et d'un chassé. Traquez votre proie. Mais n'oubliez pas que vous êtes vous-même traqué. Le combat ou la mort. Tuer ou être tué. Peut-on imaginer un sport aussi digne de ce nom? Oh, cessez ces pleurs et ces jérémiades. Silence. Pour ceux qui ont peur de relever le défi, je confie votre sort au requin, parce que vous ne me servez absolument à rien. Mais pour les forts, les puissants, les joueurs, le champion sera récompensé de 1000 richesses. Les règles sont simples. Vous allez recevoir le nom d'un autre passager à bord, et vous devrez le tuer. Mais faites-moi un dernier plaisir. Je vous en conjure. Essayez de faire preuve d'un peu d'imagination et de trouver autre chose qu'une balle de pistolet ou un coup de couteau. Ce ne sont pas les armes qui manquent à bord. Le tableau des récompenses de mise à mort vous renseignera sur la valeur de chaque arme. Profitez-en pour mériter le titre d'artiste de l'abattoir, de Michel-Ange du grabuge. Je vous laisse pour l'instant. Mais je reviendrai de temps en temps pour voir où vous en êtes. La journée a été longue, et je vous conseille de prendre du repos. Vous devez être en forme pour relever le défi. Oh, une dernière chose. Essayez d'éviter de descendre mon personnel, à moins d'y être absolument forcé. Les uniformes me coûtent une petite fortune.
Hey, mon pote, ramène-toi. Tu l'as liquidé vite fait, bien fait. T'as la classe. J'ai les infos qu'il te faut, mon pote. Cette croisière, c'est un aller simple, si tu vois ce que je veux dire. Mister X, il aime pas les fins en queue de poisson. À la fin du jeu, tout le monde doit avoir été envoyé à Patres. Je peux te tirer de là. Si t'y mets le prix. Pour 100 000 dollars, je te sors de Struara. Mais d'abord, il faut se débarrasser de celui qui veut te zigouiller. Je connais l'identité de ton tracker. C'est une gonzesse. Avec son petit air de paille touchée, elle t'embrocherait pour une clope. Alors, voilà le plan. Tu trouves un pigeon. Un gogo. Injecte-lui un somnifère et suis-le jusqu'à ce qu'il s'écroule. Tu me dis où? Et moi, je dis que c'est toi. Elle achève notre andouille et toi, tu dors tranquille. Pulled him out and chucked him on the ground. Ching Chong Polly, won't you climb me, oh? The old frog winked and he looked all around. Ching Chong Polly, won't you climb me, oh?
Hein? 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 Oh! Uh-oh.